Bonjour tout le monde, mon nom est Locke Merville. Tout d'abord, je veux prendre le temps, une fois de plus, d'offrir mes plus profondes et sincères excuses à la personne qui a porté plainte et à sa famille. Je veux aussi m'excuser à ma famille, à la mienne, à mes enfants, à mes ex et plus particulièrement à mon fils. Aux Haïtiens qui ont toujours été avec moi, qui ont toujours fait en sorte de me prendre comme exemple ou comme modèle, aux Canadiens, au peuple québécois, à mes amis, à mes confrères artistes, je tiens à vous dire à quel point je suis désolé de l'événement qui s'est produit il y a de cela 22 ans pour lequel j'ai plaidé coupable. J'ai plaidé coupable parce que j'ai eu une relation avec une personne de 17 ans et demi alors que j'avais 28 ans, et que j'étais en situation d'autorité. Je veux surtout pas minimiser ce qu'a vécu cette famille-là, ce qu'a vécu cette jeune femme-là. Je veux simplement vous parler de faits. Question de remettre un peu les pendules à l'heure. Après les faits, ben, vous en ferez ce que vous voulez. En novembre 2014, j'ai été accusé de deux infractions du Code criminel canadien. Exploitation sexuelle, l'article 153, et agression sexuelle, l'article 271. Il ne faut pas confondre exploitation sexuelle et proxénétisme. On ne parle pas d'enfermer quelqu'un, de l'enchaîner ou d'agir en proxénète, là. C'est pas ce que ça veut dire. L'accusation de viol a été retirée il y a près d'un an, juste après l'enquête préliminaire. Les médias le savaient. Ils ne vous en ont pas fait part, ils ne vous en ont pas parlé. Maintenant, moi, je ne vais pas vous en parler de tout ça maintenant. Je vais prendre le temps de me retrouver. Et dans une semaine, je vous parlerai de ce que j'ai pensé de leur façon d'agir aux médias et de leur manque de rigueur. Je pense que, en tant que citoyen, que vous êtes et que je suis, on a droit d'avoir des nouvelles qui sont rapportées de façon juste. C'est ce que je pense. Pour l'instant, tout ce qui me reste à dire, c'est que je respecte la loi. J'assume ma sentence, celle qui sera prononcée, parce qu'au moment où je vous parle, elle n'a pas encore été prononcée. Et si cette triste histoire peut servir au moins à apporter un changement positif dans le comportement homme-femme, si cette histoire-là peut faire en sorte que la société s'améliore, ben au moins cet événement-là qui aura eu ça de positif. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Comme je vous dis, je vais prendre le temps de me retrouver. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de ce que j'ai pensé de la façon d'agir des médias. Allez. Au revoir, merci.